Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire des tirelires cochons. Tirelires cochons. Donc pour cela il nous faut des bouteilles de lait, des feuilles un peu cartonnées. Ouais. De la colle. Plein d'accessoires. Oui. On ne sait pas forcément ce que vous avez chez vous. Nous on a pris ce qu'on avait, après on en a d'autres. On verra bien, on va déjà essayer avec ça. Oui. Donc là, tes feuilles cartonnées, c'est juste... Avec des dessins. Ils sont déjà imprimés, il y a différentes sortes, on va pas tout prendre. Hein. C'est juste pour nous donner une idée, on sait pas trop ce qu'on va prendre. Hein. Oui. Donc on va commencer. Oui. Donc, c'est parti! Donc on va prendre chacun une bouteille de lait. Donc on va mettre... Quelle feuille tu veux dessus? Quelle couleur? Pas du vert, du bleu... Je pense que je vais prendre celui-là. Celui-là. Alors moi je me demande comment mon bouchon il est bleu, je vais essayer d'en faire un bleu. J'aime bien le bleu. Pour le mettre comme ça? Alors, une seule j'en ai assez. Non, on va mettre juste au niveau où il y a les traits. Voilà, ça fait des petits traits. Oui. Donc on va... Donc il va falloir en découper une partie. Voilà. Parce qu'en longueur, ça va être pile poil ça. Comme ça. Voilà. Et puis on va en couper juste un petit bout. Toi, t'as déjà combien de traits? Moi, j'ai fait une... N'importe, c'est juste pour dire couper un petit peu comme ça. Bon. Hop. De toute façon, on fait même pas la règle, on fait comme ça. Voilà, c'est juste pour décorer, hein. Oui. C'est pour dire. Donc toi, par contre, ta coupure, tu la mets en dessous, forcément. Comme ça, ça va. Voilà, et tu la colles. Je vais regarder avec lequel ça va mieux, parce qu'il y en a un, il est plus grand que l'autre, je crois. Mais non, c'est pareil. Ah, sinon, c'est soit tu veux qu'on voie le trait, soit tu veux qu'on voie pas le trait, et puis tu mets juste le trait. Comme ça, ça te fait... Voilà, ça fait mieux jusqu'au trait. Oui. Donc, hop. Moi, je vais prendre de la colle comme ça, et de la colle chaude, pour qu'on se brûle, c'est mieux. Pas se brûler, hein. On va essayer, on va bien arriver à se brûler. C'est plus marrant, non? Ça fait mal. Ça fait mal, ouais. Bon, je vais mettre juste... Ah bah si, ça tient. Bon. Faut bien coller le bord pour que ça tienne. Hein? Bah du coup, moi, il y a un côté qui est plus haut que l'autre. C'est pas grave, ça s'en dessous, ça va pas se voir. Oui. Ça. Moi, ça va pas tenir. Dan, t'as pas mis assez de colle. Moi, j'en ai mis partout. Quand je dis partout, c'est partout. J'en ai mis partout aussi. Non. Sûrement, non. Et puis, bien, alors, où tu vas le fermer? Après, si on voit que ça se décolle, on mettra un petit coup de poing. Cool. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre après? Moi, je mettrai les pâtes. Mets les pâtes. Tu vas mettre quoi comme pâte? Moi, je vais mettre des yeux. Alors, est-ce qu'il y a 4 roses? Voilà. Oh, mais au pire, j'avais des roses et des blancs. Je crois qu'il n'y a pas 4 roses. Mais c'est plus rigolo quand il y a plusieurs couleurs, de toute façon. Moi je vais prendre des grands yeux, des gros longs. Il faut que je prenne ça pour coller. Ah! Mais ça c'est normal, c'est pas grave, on a toujours notre protection. Vas-y. Attends. Hop. Ça... Ah! C'est bon, c'est pas grave, t'auras toujours un fil. Ouais.
Moi j'ai dit je prenais des violons. Je vais le mettre bien dans le sens. Ça pour l'instant je vais l'enlever. Ça je vais le décaler. Oh, il n'y a pas de fil. Il est mis où mes yeux? En même temps? Je sais pas. Ça se trouve tu les as fait tomber. Je prends des gros yeux. Des gros yeux rigolos. Alors, est-ce que je vais réussir à enlever les papiers? Ça c'est moins sûr. Moi je sais faire. Hein. Alors, attends. Que je mette bien. Oh, il appuie. Mais si, c'est parce qu'il faut appuyer, il faut pomper. Voilà, moi il a ses pattes. Bien. Alors voilà. Je vais mettre les yeux aussi. Tu mets des yeux? Je peux pas mal à faire. Yes. Un gros œil. Et un moyen. Toi, tu vas mettre un gros en moyen. Ça m'aurait étonné. Ah, j'arrive à les enlever ce coup-ci. T'en as mis des. Banana. Je pensais que t'allais en mettre que des gros. Ah, faut qu'on fasse le trou pour mettre la pièce. Sinon, c'est pas une carrière. Oui, bah on le met par les narines. Tu fais un trou aux narines? Oh, je vais pas le faire, ça, c'est trop, ça va être dur, trop dur. Regarde, ça va bien comme ça, non? Un œil, un. Alors attends, parce que j'ai pas fait attention, comment ils étaient les traits du coup. Ils sont comme ça. Donc on va faire un trou là. Pour mettre notre pièce. Ah, scalpel. Ouais. Toujours aussi dangereux. C'est pour ça que t'as kiffé. Du coup, ça m'a fait décoller ma feuille. Hey, hey. C'est pas grave, on va mettre une petite pointe de colle là. Hop. Ah oui, t'as mis des gros yeux, toi. Et un moyen. Et un moyen. Ah, maman. Ça va bien comme ça, non? Ta tête. Bon, on peut mettre une pièce. Tu peux faire un trou. Moi, je le veux comme ça, le trou. En long? Oui, parce que normalement, c'est comme ça. Ouais, mais bon, les traits, ils sont comme ça. Enfin, je sais pas si... Comme ça, je vais essayer, mais... Pas trop long. Comme ça? Oui. Tu vois que je me couche, quoi. Moi, j'ai fait trop long. Ça va, de toute façon, ça sera des différents. Pire, c'est pas grave, on l'enlèvera par le nez. Ah oui, de toute façon, on dévisse le nez. C'est faudra que tu dévisses le nez pour récupérer tes pièces, de toute façon. Ouais. Donc, là. Et tu récupéreras quand tu as. Oui, c'est pas grave. Là. Ouais, maintenant, je vais mettre ta queue. Sur les cœurs. Tiens, moi, je vais mettre des oreilles. Je vais prendre du beige. Prendre des fleurs pour mettre des oreilles. Je vais la retourner au fur si tu veux. Quoique, je sais pas en fait. Je l'ai jamais utilisé ça. Comme ça, oh, mais ça se colle. Je me demande si je le plie, si ça fait pas une oreille. Ciseaux, on va le couper. Je crois que ça s'enlève comme ça. Oh, ça colle bien en plus. Ça a encore coulé. Ah, ça va coller, ça va le faire. Ah, pas grave, le petit derrière. Une oreille. Regarde. Une oreille. Trop bien, t'as que... Un petit rebouchon. Moi aussi j'avais une rose. Là tu me donneras l'autre bout. Tiens. Je vais faire bleu et rose. Et couper un. Alors, moi il va lui faire ses sourcils en même temps. Et ses oreilles. Moi je l'ai. Ah, c'est pour ça trop. Tu peux les prendre? Oui, oui, vas-y. Trop. J'ai fait une cuillère pierre bouffon. Tu l'as collé avec la pochette? Oui.
Et je l'ai plié un peu au bout. Ouais. Alors. Ah. Alors. On appuie un peu dessus. J'en ai plein les doigts comme d'habitude. Moi, il n'a pas encore de pâte. Il n'a pas encore. Je sais comment je le mets. C'est dangereux. Oui, je me demande si je ne vais pas lui faire des pâtes comme ça. On en savait trop. Comme tu veux. Oh, mais ça va être drôle. Mais si, comme ça, ça serait bien. Je vais essayer. Puis je vais lui mettre des petites pâtes au bout. J'essaye. Alors, je vois la hauteur. Là, mettons. Là. Je sais pas si ça va tenir droit, mon histoire. Bien colchat quand même pour coller. T'arrives à les décoller? Oui. Un bâton. C'est un peu trop aussi. En plus, il est articulé. Articulé, mieux. Oui, une pâte. C'est collé trop celui-là. Là. Parce que là, il tient sans. J'arrive pas bien à mettre une oreille. Attends. Attends, parce que là, mon pâte, faut qu'il tienne. En fait, je vais la laisser comme ça. Bon, je peux le couper un peu. Ah oui, tu peux les couper. Tu peux faire ce que tu veux avec ça. Regarde-moi mon nez. Ouais, t'as volé mon idée. C'est vrai? Hein, trop beau. Non? Il veut de ça. Ça fait tomber. C'est pas grave. T'en veux un pour ton nez? Après. Oui, je vais en coller dessus là, parce que du coup, j'ai fait une bêtise là. Comme j'ai collé. Ah! Voilà. Ah, c'est pour camoufler. C'est pour camoufler. Ah oui, il y en a des couleurs dedans. Et je trouve qu'elle est trop belle, elle tire bien. Bah oui, tu la laisses comme ça, tu la plies juste comme ça. Et ça tient pas. Moi j'ai fait ça, puis après, la mienne elle retombe aussi. Hein. Là. Elle est trop rigolo, ma matière bien. Tu vois, je t'avais dit de mettre ça. J'aime trop. Ah, et non. Mais t'as tout sorti? Bon, c'est pas grave. Je vais mettre un peu de couleur. Trop belle. Alors, est-ce que je lui mets des pantoufles? Des pantoufles? Est-ce que je lui mets des ronds, des patrons au bout de ses pattes? Mais ouais, fais ça. Ouais. Oui. Bah au pire, essaye sans les coller et après, si ça va bien, tu colles. Je crois que c'est un cochon qui fait ressembler à une vache. Je lui mets des trucs verts. Ah, ça colle. Ah voilà. Eh, c'est trop beau, je trouve. C'est original comme carrière. Oh, mes scénarios, je vais les mettre en fleurs. Ben voilà, t'entends mes deux. Ce serait bien s'il y aurait plusieurs formes. Après, tu peux les redécouper, hein. Non. Ah, je vais mettre en rond alors. Oh, mais j'ai déjà. Eh, c'était mon truc. Mais non, mais je débarrasse un peu en allant, c'est un peu le bordel comme d'habitude. Alors, est-ce que je mets des chaussons? Des gros, des petits? Des crocs. Ou ça aussi je les mets. Au pire, essaye en dessous. Comme ça. Dedans. Comme ça. Comme ça tu colles. Ok. Alors attends, j'en prends une 4 quand même. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour un cochon?
T'es rigolo aussi. Ouais. Et je vais prendre des 4 là. T'en auras besoin des boules? Non. Alors on va essayer de faire. Moi je fais un rond pour qu'il y ait des narines. Ah oui? Regarde. Attends, parce que là c'est. Eh bien, le temps. Non, je pourrais avoir les boules en fait. Attends, attends, attends. Parce que là, elle va faire du patin glace. Du patin glace. Attends, je vais pousser que ça parce que j'ai pas repris de patin. Ah, mais en fait. Bah, c'est bon, en fait, j'ai pas besoin de ça. En fait, j'ai pas besoin de ça. Ouais, ouais, ouais. Okay. C'est des beaux chaussons qu'il a. Pas sûr que les 4 pattes, ils vont encore tenir. T'en as pas besoin? Non. Ah, mais en fait, j'attends juste que tu me donnes le pistolet. Oh, ben, plus trop de colle. Hein? Tu veux coller quoi? Un point pour ses narines. Attends, je vais t'aider à le faire après. T'as mis toi aussi? Rien que Peppa Pig. Voilà. Oh, regarde, tu l'avais dit qu'elle avait des pattes, ils ont le plus tenir. Oui, elle est de la même taille. Mais j'ai pris les 4 mêmes. Hein. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Je vais prendre ça. Hop. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ouais, mon pas cochon. Et trop bien, tirelire, ouais. Non? Oui. Alors, tu veux que je te mette de la colle? Oui. Alors, vas-y. J'ai fait une bouche. Faut pas être sur ça. Tu décolles directement. Oui. Me brûle pas. Non. Oui. Juste un point. Vas-y, prends. Voilà. Après, ah, pas mal. Elle a une bouche, non? Bon, non, sur l'autre bouche, elle doit être en dessous. Moi, je laisse comme ça. Trop bien, comme Peppa, ça mon Peppa Pig. Regarde. Je pense que je serais toi, je mettrais pas de bouche. Ouais. Ça fait bien, là. Et va, t'as tiré, toi. Attends, je casse pour pas que ça tombe. Voilà. Peppa Pig. Salut. Moi, c'est Peppa Pig. Et voilà comment faire une cheerleader originale. Ouais, c'est trop rigolo, moi, je trouve. Non? Je devrais peut-être rajouter une couleur dessus, comme ça. Bon, ça dépend, c'est comme tu veux. Si, par exemple, une fleur. Là, une fleur. Ah, vas-y. Je vais t'en enlever. C'est là? Oui, ça, faut d'abord la mettre sur le cochon et après celle-là sur le la verte. Tu la colles en plein milieu, là. Plein milieu. Attends, je vais l'enlever. Là? Oui. Vas-y. Après, il faut juste redécorer avec tout ce qu'on a. Tout ce que vous avez, vous pouvez rajouter. Nous, c'est nous et nous comme ça. Oui. Trop bien? Non? Oui. Voilà comment faire une tirelire à moindre coût, hein, c'est rigolo, avec les yeux qui bougent. Non, c'est trop bien, moi, je trouve. Oui. C'est trop bien, première tirelire. Papi. C'est rigolote, nos tirelires. Et voilà comment faire des tirelires avec bouteille de lait. Oui. Donc, on espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, pensez à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. À bientôt.